C'est Clark, la comète interstellaire. Oui, en effet, Clark fait la une des médias. Grosse info. Je vois pas Clark. Oh, il est peut-être en train de dormir. Papa... Les plus gros fragments de la comète Clark vont très bientôt entrer dans notre atmosphère. Tout à fait. Et il y a de fortes chances... Toujours pareil. ...que le spectacle soit impressionnant. Où est-ce qu'ils vont? J'en sais rien. Un des premiers morceaux va s'écraser. S'écraser? Un petit morceau et ce sera dans l'océan. Deux. Non mais regardez ça. Un. Eh ben, ça a pas explosé. Nous venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu! Attendez, il va y en avoir encore d'autres? Allez, viens, on s'en va. Regarde, le ciel est en feu. Deux jours, ils ont dit des conneries. Il y aura d'autres fragments qui vont détruire la Terre. Les agences spatiales parlent d'une possible extinction. On va affronter ça ensemble, ok mon grand? Faut juste qu'on trouve un refuge. Il paraît que des avions militaires volent vers des bunkers au Groenland. C'est notre seule chance. Reculez ! Violation du périmètre de sécurité. Vite, vite, vite ! Lâchez vos armes ! C'est un ordre ! Allison ! Nathan ! Allison ! Où est papa ? On va le trouver, ça va aller. Le plus gros fragment de Clark va s'écraser dans moins de 24 heures. Je le jure, je vais conduire ma famille dans ce bunker. J'en suis sûr, fiston. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Accroche-toi, Nathan. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Cherchez un refuge immédiatement.